question, madame. Madame la sous-préfète, chère Laura, madame la députée, qui est cachée aussi, chère Isabelle, madame la présidente, chère Valérie, monsieur le président, cher Jean-François, mesdames et messieurs, chères provinoises et provinois, deux choses nous rassemblent ce soir sur le parvis occidental de l'église Sainte-Croix. Le lancement du chantier, de ce qui sera le chantier de la décennie, et une exposition dédiée au grand chantier du patrimoine, une exposition, vous allez le découvrir dans quelques minutes, qui remet merveilleusement bien en perspective ce qui a été entrepris et réalisé depuis un peu plus de 30 ans à Provins. Une exposition qui rappelle que le patrimoine, c'est infini, et que la satisfaction profonde du travail accompli ne doit jamais faire oublier qu'il reste à faire. Et c'est justement ce que nous allons faire. Une exposition qui a bénéficié, et je les en remercie très chaleureusement, du concours de Luc Duchamp, Yves Gradelet, Christine et François Marchand, sans oublier nos photographes pour la photographie, nos Jean-François, Jean-François Bénard et Jean-François Leroux. Cette exposition sera présentée 3 week-ends successifs, à titre exceptionnel, dans l'écrin de cette église si chère au cœur des Provinois et dont les travaux de restauration débutent. Lorsque l'on songe à l'église Sainte-Croix, on se pose 3 questions. Pourquoi est-elle fermée depuis si longtemps? Est-elle la plus belle église de Provins? Et est-ce qu'un jour elle nous sera rendue? Samedi dernier, vous étiez très très nombreux, plus de 25 000 selon la police. Donc c'était au moins 30. Lors d'une soirée unique qui restera mémorable tant elle a permis une communion des Provinois avec leur patrimoine, j'ai évoqué la sidération de la nuit du 9 au 10 avril 1983, lorsqu'une courtine des remparts s'est effondrée. Les remparts, vous le savez, ont 800 ans. Sainte-Croix a 900 ans. Et à l'aube des années 1980, après plusieurs siècles de négligence, il faut bien l'avouer, la situation devenait préoccupante et cette église était devenue un chef-d'œuvre en péril. Depuis son édification, à compter de 1154, la chapelle des Ponts, devenue église Sainte-Croix, en lien avec le retour des croisades d'un éclat, d'un morceau de la vraie croix, a traversé les siècles. Du temps de son édification, au XIIe et XIIIe siècle, en passant par le temps de son agrandissement au XVIe siècle, l'histoire de cette église est l'histoire d'une lutte incessante, c'est l'histoire de Provins d'ailleurs, d'une lutte incessante contre l'instabilité des sols, l'eau et le feu. Une lutte dont elle semblait être sortie victorieuse, et pourtant cette année 1983 était décidément maudite puisque l'église est fermée au public pour entreprendre une campagne de consolidation et de stabilisation du sol avec la pose de micropieux. C'était indispensable pour combattre les désordres de structure, l'instabilité du clocher, et le risque de basculement définitif du chevet. Cela n'a pas suffi à la maintenir ouverte au public. Les verrières monumentales avaient été déposées dès 1979 et les derniers offices ont eu lieu au début des années 80. Depuis lors, les Provinois espèrent sa réouverture. Il aura fallu attendre que la politique patrimoniale produise patiemment ses effets. Il aura fallu s'attaquer au rempart, à la tour Notre-Dame-du-Val, à la tour César, au caveau du Saint-Esprit, à la Grange aux Dîmes, à l'église Saint-Ayoul et son prieuré, et à la collégiale Saint-Kyrias. Aujourd'hui, l'église Sainte-Croix est le dernier grand monument historique appartenant à la ville qu'il nous reste à conforter et à sauver pour lui rendre sa majesté. Aujourd'hui, après 3 décennies d'efforts portés par les élus provinois, au premier rang desquels Alain Perfit
et surtout peut-être Christian Jacob, le moment Sainte-Croix advient. C'est un moment qui ouvre une phase de plusieurs années de travaux. Il faudra la même constance, la même passion, la même persévérance pour parvenir à achever ce chantier. Mais une chose a changé. Nous savons que c'est désormais irréversible. Pourquoi ? Parce que précisément, la convention cadre signée en 2019 en fait la priorité des priorités. Parce que les subventions de nos partenaires, État, qui a toujours été là, il faut le souligner, critique beaucoup l'État, mais sur ce sujet du patrimoine de la province, l'État a toujours été présent, et sans l'État, on aurait été évidemment beaucoup moins vite et beaucoup moins loin. La région, l'Île-de-France, et Valérie était présente, vous vous souvenez, pour la signature de la Convention cadre, qui était un grand moment, a priori, cet aïeul. Le département, depuis quelques années, est lui aussi présent. Parce que les subventions, et c'est important d'être présent quand on signe les conventions cadres, mais c'est important aussi que les subventions soient notifiées. Et elles le sont pour les trois premières tranches de travaux qui s'étaleront de 2022 à 2025. On ne peut se lancer dans des chantiers titanesques de cette nature que si on a de la visibilité, que si on a de la profondeur. Nous l'avons grâce à l'État, grâce à la région Île-de-France et grâce au département de Seine-et-Marne. Les planètes sont donc alignées et la ville fait chaque année un effort considérable sur son budget. Je pense pouvoir dire que notre ville, Provins, déjà si belle, l'est de plus en plus. Elle l'est pour, évidemment, le bonheur des Provinois, leur fierté aussi. Elle l'est bien au-delà pour le bénéfice de l'humanité tout entière, puisque depuis le classement de Provins sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les circonstances et les hasards ont abouti à ce que ce chantier s'ouvre l'année du 20e anniversaire UNESCO de Provins. Quel émouvant symbole de songer que cette église, dont je pourrais dire, si je n'étais pas maire, qu'elle est la plus belle de Provins, sera demain aussi majestueuse qu'elle nous mérite. Toutes celles et ceux qui ont été baptisés ici, qui y ont fait leur communion, voire leur confirmation, qui s'y sont mariés, ou dont les parents s'y sont mariés, vont pouvoir redécouvrir ou découvrir à quel point cette église est impressionnante par ses volumes, sa lumière, par ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas encore. Les trois tranches de travaux qui débutent permettront de restaurer le bas-côté nord, qui est ici dans sa totalité, de restaurer le vaisseau central de la nef, il est ici, et de restaurer le bas-côté sud. En un mot, la partie occidentale de l'église sera restaurée dès 2025, et dès 2025, une partie de l'église sera ouverte au public. Dès à présent, nous travaillons sur la seconde phase du programme, qui concernera la suite de la nef et le chœur ceinturé d'un double déambulatoire. La suppression de la voûte en carreaux de plâtre du 19e siècle, qui, c'est un petit miracle, il en arrive, s'est effondré durant le premier confinement, permettra à terme de retrouver la beauté des trois berceaux en bois peint du XVIe siècle, en particulier celui qui porte les armoiries d'Henri IV, réalisées au moment de son décès. Un jour aussi, les quatre verrières du XVIe siècle, déposées en 1979, entreposées au laboratoire de recherche du monument historique de Chambres, viendront ici, chez elles, dans leur église. Je sais que certains, mon regard se tourne vers Pierre Bénard, que j'ai vu, qui est là. Je sais que certains, au regard, monsieur le président de Sainte-Croix Renaissance, au regard de l'ampleur du chantier, ont pu douter que cette promesse serait tenue. Il le dit aujourd'hui, mais vous savez qu'il a douté, vous êtes nombreux à avoir douté. Cette promesse, elle sera tenue, car il faut toujours veiller à tenir cette promesse. Et cette promesse est aussi un devoir, le devoir de transmettre à celles et ceux qui viendront une part de notre identité profonde. Le projet Sainte-Croix
conjuguera la sacralisation de cette église, comme nous en sommes convenus avec le père évêque et la paroisse, et un projet culturel, artistique et muséographique. Sur le chemin entre la ville haute et Saint-Ayoul, Sainte-Croix viendra renforcer le rayonnement patrimonial et touristique de Provins. À l'issue des trois prochains dimanches, l'église Sainte-Croix, devenue au fil des années de sa fermeture comme une étoile, un objet de désir, refermera ses portes au public quelques années pour mieux les rouvrir et redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être aux yeux de toutes et aux yeux de tous, la plus grande église de Provins. Je vous remercie. Président de notre département, je suis très heureux d'accueillir et je suis très heureux à titre personnel, je pense que beaucoup partagent ici ce sentiment, que ce soit lui qui soit là comme président du département aujourd'hui. Merci Olivier. Monsieur le ministre, mon cher Christian, madame la sous-préfète, madame, ma chère Isabelle, madame la présidente de la région Île-de-France, ma chère Valérie. Monsieur le maire, mon cher Olivier, mesdames et messieurs les élus, et une mention toute particulière pour ma vice-présidente en charge de la culture, ma chère Véronique. Mesdames et messieurs, j'avais un dilemme. À la même heure, c'était soit Provins, soit Montyon, où c'était l'ouverture du château de Jean-Paul Brialy, qui est ouvert au public dans sa totalité. À partir d'aujourd'hui, dans ces journées du patrimoine, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais comme c'était Sainte-Croix et que j'avais appris par ailleurs que Christian avait fait sa confirmation à Sainte-Croix, je me suis dit, je me dois d'être là. Non, plus sérieusement, c'était aussi la volonté qui était la mienne de vous marquer tout l'attachement que je peux avoir pour Provins. Vous savez, quand on est président du département, et c'est normal, on voit des trésors partout. Partout, partout. Mais je reconnais qu'il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Ce qui fait quand même l'histoire de notre département. Vaux-le-Vicomte en fait partie, Fontainebleau en fait partie, la cathédrale de Meaux en fait partie. Mais Provins a toute sa place. Et je crois que, à la fois, les Provinois, bien entendu, les Sénémarnais, les Franciliens, mais je crois que l'ensemble des Français et l'ensemble du monde entier reconnaissent la chance que vous avez d'être à Provins, d'avoir un tel patrimoine, qui fait que nous, ça nous oblige, nous, décideurs publics. Et nous devons d'être présents à chaque fois que la demande a été faite. Je suis rassuré que mes prédécesseurs aient accepté chaque année d'accompagner la réhabilitation de Sainte-Croix en hauteur de 200 000 euros sur une période de 10 ans. Il... Mais ce n'est que la normalité. Car Provins, qui accueille plus d'un million de visiteurs aujourd'hui, c'est de l'attractivité pour notre département. Donc, on se doit à chaque fois de répondre présent. Et puis, je suis obligé de vous dire aussi que mon premier vice-président, en charge de l'aménagement du territoire, de ses contrats d'aide à l'égard des mairies, qu'elles soient rurales, urbaines, suburbaines, il est derrière moi. Donc, je vais vous dire que quand il me présente un dossier pour Provins, ma foi, je lui dis n'oublie pas mot. Et du coup, tout ça s'arrange. Non, plus sérieusement, on essaye d'avoir, encore une fois, une politique équilibrée entre le nord, le sud, l'est et l'ouest du département. Ce département est grand, plus grand d'Île-de-France. Certains Sénémarnais pensent que c'est le plus grand de France. Pas du tout, hein. Dans les 40 premiers, mais on n'est pas le plus grand département de France. Mais une chose est sûre, on est le plus beau de France. Provins, après une ville qui m'est très chère, qui est la commune de Lizy-sur-Ourcq, dans le haut du département qui est ma commune, je dirais natale, Provins est la plus belle ville de Seine-et-Marne. Je suis demain pour des autres. Merci à tous.
Ah, mes chers amis, monsieur le ministre, cher Christian, monsieur le maire, cher Olivier, madame la députée, chère Isabelle, pardon, j'ai oublié l'État, madame la préfète, monsieur le président du département, madame la vice-présidente du département. Alors moi, je ne suis pas venue toute seule non plus, hein. Je suis venue avec les Seine-et-Marnais de l'État. Je suis venue avec Éric Jeunemaître, qui est le président du comité régional du tourisme. Et je suis venue aussi avec Sébastien Drobini, qui est élu, vous le savez, de cette belle intercommunalité. Et tous les deux agriculteurs, parce qu'il en faut aussi hein, des agriculteurs au conseil régional. Alors il se passe tellement de choses à Provins en ce moment que je pourrais y être toutes les semaines. D'ailleurs, je suis presque en train de me demander si je ne vais pas essayer de regarder une petite location dans le coin. Parce que quand j'ai dit à Olivier Lavenca la semaine dernière, zut, j'ai déjà une inauguration prévue de longue date au moment où tu inaugures les remparts, il m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, la semaine prochaine c'est Sainte-Croix. » Et puis ensuite, le 3 octobre, ce sera l'électrification de la ligne P. Grand triomphe commun de toutes les personnes qui sont ici. Parce qu'on s'est battu avec le Grand Est pour obtenir cette électrification, puis vous allez voir arriver les nouveaux trains, parce que l'électrification va avec les nouveaux trains. Et donc vous allez atteindre la même dignité que toutes les villes de l'Île-de-France, c'est-à-dire des trains électriques. Alors c'est pas la bonne année, parce que c'est l'année où l'électricité augmente beaucoup. Mais pour la planète, c'est quand même mieux que d'avoir des vieux trains diesel, et puis vous verrez, ils sont beaucoup plus ponctuels, les trains neufs, ils sont magnifiques. Donc il se passe un nombre de choses à Provins incroyables. Et c'est vrai, et ce qui a été dit par Olivier, par Jean-François, est tout à fait juste, Provins est une ville magique, est une ville à part dans ma région Île-de-France. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Umberto Eco. Umberto Eco a écrit, mais vous le savez sans doute tous, puisque vous êtes provinois, mais il a écrit « Jamais été à Provins, point d'interrogation, lieu magique ». Même aujourd'hui, on le sent, vous verrez, lieu magique, encore tout parfumé de secrets. Alors j'ai trouvé que cette phrase, elle était particulièrement adaptée pour ce soir, puisque moi je ne suis jamais entrée dans l'église Sainte-Croix. Et pourtant, hein, je suis venue plusieurs fois à Provins. 23 fois, t'as compté ? Ah, 23 fois, c'est pas mal. C'est la 23e fois. Bon, ce sera la 24e dans quelques semaines. Donc 23 fois à Provins, et j'ai vu beaucoup d'églises. D'ailleurs, j'avais demandé à Christian Jacob la première fois, quand je suis rentrée dans Saint-Ayoul, si son fils s'appelait Ayoul, et s'il avait donné des prénoms provinois à ses enfants. Il m'a dit « Oui, c'est pas facile à porter. » Donc voilà. Donc effectivement, la région a été au rendez-vous de toutes les aventures de restauration du patrimoine de Provins, parce que le patrimoine de Provins est juste absolument magnifique, parce qu'il y a 1 million de visiteurs à Provins, parce que c'est vraiment une pépite régionale, parce que le Moyen-Âge est au cœur aussi de l'histoire de la région Île-de-France. Et un jour, je vais vous raconter une petite anecdote, faut pas la raconter, mais comme on est entre nous... Un jour, je voyais Anne Hidalgo, puis Anne Hidalgo, elle ne voulait pas que la région ait un comité régional du tourisme, parce qu'elle a elle-même un office du tourisme de Paris, et elle me disait, mais finalement, dans la région Île-de-France, à part Paris, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Véridique. Je ne vais pas parler, je ne vais pas parler de Vaux-le-Vicomte, je ne vais pas parler de Versailles, je ne vais pas parler du musée de la Grande Guerre, je ne vais pas parler des impressionnistes, je ne vais pas parler de Provins, mais du coup, j'ai nommé le conseiller régional de Provins président du comité régional du tourisme. Pour lui rappeler qu'il y avait quand même des magnifiques choses partout dans la région, et singulièrement en Seine-et-Marne, où nous avons quand même la première crypte mérovingienne aussi à Jouarre, dont on n'a pas parlé. Donc le Moyen-Âge, évidemment, ici à Provins, c'est toute une histoire, et ça nous ancre effectivement dans un moment où Provins était une ville de foire, Provins était un grand carrefour, et ça l'est aussi, et ça l'est toujours. Voilà. Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Alors c'est vrai que la région a été là quand vous avez eu besoin. Avant, c'était un petit peu moins le cas, parce que les territoires ruraux n'étaient pas au cœur de la stratégie culturelle, parce que le patrimoine n'était pas au cœur de la stratégie culturelle de la région. Et moi, je n'opposerai jamais la création et le patrimoine. Je pense que les deux vont complètement ensemble. Je pense que c'est à travers ce que nous avons été, à travers notre histoire, que l'on peut se projeter pour devenir
ce que notre avenir nous appelle à devenir, c'est-à-dire un peuple de créateurs. Donc je crois qu'on n'oppose pas les deux. Et c'est pour ça que la région, dans le dernier mandat, a mis 75 millions d'euros dans la restauration du patrimoine. Et c'est pour ça aussi que nous avons une politique culturelle extrêmement active, de plus de 100 millions d'euros par an, je tiens à le dire, parce que les gens n'ont pas du tout l'idée de ces montants. Parce que je crois que la culture, elle est au cœur de la cohésion nationale, de la cohésion sociale, de la cohésion régionale. Et donc c'est pour ça que je veux absolument qu'on soit au rendez-vous de la restauration du patrimoine, y compris du patrimoine religieux, parce que pour les villages, c'est extrêmement cher. Il y a beaucoup de maires qui sont ici. Extrêmement cher de rénover les églises. Et une église, c'est beaucoup plus qu'un lieu de culte. C'est finalement, c'est l'identité d'un village. Et c'est souvent là où se passent tous les événements culturels et beaucoup d'événements de convivialité dans l'église ou autour de l'église. C'est pour ça que nous avons voulu être au rendez-vous et que nous avons rénové des dizaines de petites églises villageoises. Et on va, bien évidemment, continuer. Voilà. Alors, les grands chantiers du patrimoine, c'est un très beau thème pour une exposition, cher Olivier. Olivier, il aurait pu mettre les grands chantiers tout court, hein, parce que c'est un bâtisseur. Et en cela, je crois qu'il s'inscrit vraiment dans la lignée, et je crois que Christian en est très fier, dans la lignée d'Imperfit et surtout d'un Christian Jacob, qui œuvre en permanence à rendre leur ville et leur territoire plus beaux. Voilà. Et évidemment, pour dire aussi que avec Jean-François Parigi, on est toujours la main dans la main. C'est important d'avoir un département, une région la main dans la main, parce que ça évite de faire deux fois la même chose ou de tirer à U et à Dia. Nous, on est complètement alignés et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et vous savez que le vrai problème de l'administration française, c'est quand ça va lentement. Mais ici à Provins, on ne peut pas aller lentement, parce que quand on a un maire, une députée, un ancien député qui vous appelle à peu près trois fois par jour pour savoir pourquoi c'est pas déjà signé et pourquoi les travaux n'ont pas déjà commencé, bah évidemment c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'à Provins, tout va trois fois plus vite qu'ailleurs. Et je suis très très heureuse aujourd'hui de découvrir enfin Sainte-Croix. Merci à tous. Alors, monsieur le ministre, mon cher Christian, madame la sous-préfète, chère Laura, madame la présidente de la région, chère Valérie, monsieur le président du département, mon cher Jean-François, madame la vice-présidente, chère Véronique, et monsieur le maire, mon cher Olivier. Alors, Sainte-Croix résonne doublement à Provins ce soir. L'institution Sainte-Croix que des générations d'enfants de Provins et d'ailleurs ont fréquenté et continuent de fréquenter. Et évidemment l'église Sainte-Croix, cette église mystérieuse, fermée au public depuis plusieurs décennies, comme l'a rappelé Olivier. Une église en plein cœur de ville, dans laquelle nous sommes si nombreux à avoir souhaité entrer pour se rendre compte de ce que contient son enveloppe architecturale monumentale. Dans une ville où perdure le souvenir de Prosper Mérimée, qui a l'initiative de la législation française en matière de classement des monuments historiques, il est naturel que le patrimoine soit une priorité. Je dois vous avouer que, comme beaucoup d'entre vous ce soir, je suis assez époustouflée, du travail qui a été engagé ici pour le patrimoine de Provins, et d'ailleurs Olivier nous en a fait la liste tout à l'heure. Je sais que les Provinois ont souvent une détermination sans faille, mais que cette volonté soit partagée au fil des années, pendant tout ce temps, par les élus, et cher Christian en tête, et avec eux, avec toute la population, cela mérite d'être salué. Ce qui est singulier également, c'est cette capacité à bâtir, et vous l'avez dit tout à l'heure, des coopérations avec l'État, chère Laura, dont je note qu'il est parfois injustement critiqué, mais qui n'a jamais renoncé à la belle ambition provinoise en matière de patrimoine. La région, chère Valérie, toujours à nos côtés, ainsi que le département, cher Jean-François. Nos deux grandes collectivités sont également toujours au rendez-vous. Il y a tellement d'endroits où il manque de coopération qui empêche d'avancer, on se l'est dit tout à l'heure, qu'il faut se féliciter de ces belles synergies extrêmement positives. S'en féliciter
pour Provins, elle-même, d'abord, pour notre territoire, mais aussi pour la France. Car à chaque fois qu'un monument est conforté et sauvé, c'est une partie de notre identité que nous défendons et que nous revendiquons. C'est vrai, d'une manière générale, et encore un peu plus vrai, ici, dans la seule ville de France, classée dans son intégralité, de son périmètre urbain, au patrimoine mondial de l'humanité. Et ça, c'était en 2002. Le président Chirac était présent pour la cérémonie du classement. Je sais que cela fait plaisir à beaucoup d'entre vous d'évoquer ce souvenir. Il me reste tout simplement à souhaiter, ce soir à Provins, eh bien, à souhaiter et à remercier et à féliciter eh bien, ses élus, ses habitants, et fêter un excellent 20e anniversaire de ce si beau classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo et merci. Vous savez que c'est extrêmement difficile pour un représentant de l'État de parler en dernier. Il y a un avantage, parce que personne ne peut contester ce qu'il va dire, hein, parce que personne ne parle après. Et l'inconvénient, c'est que tout a été dit. Donc voilà, je vais essayer d'être très bref. Monsieur le ministre, madame la députée, madame la présidente de la région Île-de-France, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous ce soir, tant le cadre qui est proposé aujourd'hui est exceptionnel. Exceptionnel par sa beauté et son histoire. Mais exceptionnel également par sa rareté, puisque peu de personnes ont eu le plaisir de pénétrer dans cet édifice au cours des dernières décennies. En ces 39e journée européenne du patrimoine, je souscris bien sûr à tout ce que vous avez exprimé sur l'importance de la culture et de la conservation du patrimoine. Il y a quelques jours encore, le préfet de Seine-et-Marne, à l'occasion de l'inauguration de la fin des travaux des remparts, évoquait la dynamique partenariale particulièrement forte qui unit la ville de Provins, le département de Seine-et-Marne, la région Île-de-France, l'État et même l'UNESCO pour la préservation du patrimoine provinois. Cette exposition dossier qui retrace 40 années de grands chantiers de conservation et restauration des monuments de Provins en est la parfaite illustration. Mesdames et messieurs les élus, je salue de nouveau votre engagement et votre détermination à préserver ces trésors patrimoniaux afin que les générations futures puissent se nourrir de l'histoire de leur territoire, et je vous renouvelle l'engagement de l'État à participer à vos côtés à cette grande et belle entreprise. Je vous remercie. Thank you.
Thank you.